saint Pâques, fait toute son extraordinaire. Il s'adresse à chacun d'entre nous, du moins je le crois. Pour chaque des chambres où David sonde, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres le loin à ma pensée. Tu sais, quand je marche, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse qu'au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je ne sais pas si vous prenez ces paroles, mais moi je les prends, Où irais-je? Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu seras là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me couvrira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, puisque je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent pénétrantes. Que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je ne sais pas comment on s'est levé ce matin. Est-ce qu'on s'est levé dans l'humilité de sa grâce? Ou est-ce qu'on s'est levé comme ce pharisien qui, la tête haute, avait la prétention de dire « Seigneur, tu vois combien je suis parfait. » Comment s'est-on levé ce matin? Comme ce publicain qui, là, un peu caché, retiré de tout le monde, se frappait la poitrine en disant « Seigneur, sois apaisé contre moi qui suis un pécheur. » Comment ne s'est-on levé ce matin? La indifférence totale du devoir accompli en venant au culte, comment s'est-on levé ce matin? Est-ce qu'on a lu ces paroles? Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un jour, quelqu'un m'a crié dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui les chemins bien droits. Nous sommes appelés à nous préparer moralement, spirituellement, physiquement, de tout notre être, à nous préparer. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Que vous porterez-je ce matin? Oh, je me suis posé la question, pour tout prédicateur, c'est pas évident. Des fois, on peut être très bien préparé, que dernièrement, le Seigneur vient effacer le trou. C'est vrai, je me souviens d'un frère qui me dit, oh, Seigneur, tu ne fasses pas ça. Et pourtant, ça arrive. J'ai vécu l'expérience où dont je vais vous parler. Être capable de se déshabiller, être capable de se mettre à nu devant Dieu. Est-ce qu'on en est capable? Peut-être me dirais-je, ah, mais le Seigneur, il sait toutes choses. Ah, mais je le fais tous les matins. Réfléchissons vraiment. Vraiment, parce que
Seigneur, il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant sa face. Mais je crois que le Seigneur veut être comme ce matin, il y a des rêves. Jacques 21 dit, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez. Recevez avec douceur la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Je pense à nos épouses qui passent beaucoup de temps, certainement devant la glace. Peut-être un peu moins, hein. Un petit peu moins quand même, hein. Je ne sais pas, je dis ça, je ne sais pas. Hein. Disons qu'on est plus rapide, quoi, hein. On ne se prend pas trop la tête, hein. Hein. On se douche, un petit coup de rasoir, un coup d'aquarelle, ou je ne sais pas quoi. Un peu déodorant, et tchou, on s'en va. On se regarde dans la glace, dans le miroir du Seigneur. Parce que je crois. Seigneur, chaque jour, à chaque moment de la journée, nous met devant son miroir. Vous connaissez cet adage, on a toujours les défauts de nos qualités, rarement les qualités de nos défauts. Moi, j'ai trouvé un moment autour de ça. Je ne vais pas essayer de vous en expliquer le sens ou autre, mais c'est vrai, on a tous des qualités. Je suis d'accord, vous avez tous des qualités. C'est quelqu'un qui n'a aucune qualité. Non, on a tous des qualités. Vous êtes d'accord? Mais, on a tous des défauts. Bien que le mot qualité s'emploie en bon comme en mauvais. On a les bonnes qualités et les mauvaises qualités. On a tous des défauts. Qui n'a pas de défauts? Quelqu'un qui n'a aucun défaut. Faites comme vous êtes comme ce pharisien. Hein? Seigneur, regarde-moi. Je suis beau, je suis magnifique, je suis extraordinaire. Tu as vu, j'obéis à toute ta parole, à tous tes commandements. Je ne suis pas comme eux. Lui, il a la guerre. Il est plein de défauts. C'est vraiment un pécheur. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de découvrir la qualité de nos défauts. Je veux dire, ce que tu nous appelles, mais oui, la qualité de nos défauts. C'est-à-dire cette capacité intérieure de rentrer en soi-même, de se mettre en lui devant le Seigneur, en disant, regarde, Seigneur, tous les défauts que je possède. Regarde, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne mérite pas plus. Ce matin, absolument pas. Mais ce courage, cette abnégation de se mettre nu devant le Seigneur, et je dirais presque quelquefois devant nos frères et nos sœurs, parce que des fois, l'erreur que l'on peut commettre, c'est de s'imaginer qu'un tel ou un tel, il n'y a pas de défaut. Et c'est pas vrai, c'est faux. On a tous des défauts, tous, même de la plus belle des qualités. Elle a ses défauts. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas entière. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas totale. Mais reconnaître ses défauts. Les reconnaître afin de mieux vivre, afin de mieux respirer. Afin, je dirais, quelque part de mieux en être délivré, en être vraiment séparé. On a cette possibilité en Christ. On a cette possibilité en Jésus. C'est extraordinaire de se mettre
d'apparaître tel qu'on est. Il y a des gens parmi nous qui sont des gens très doux, très calmes, très tranquilles, très posés. D'autres, c'est l'inverse. Où est-ce que je me situe? À droite, à gauche, au centre. Il y en a, ça appelle. D'autres, ça n'apparaît pas, ça reste à l'intérieur. Moi, je me dis toujours que les gens, je crois que ça fait du bien. Tout fait le ressentir. Tout fait le remonter à la surface. Ça fait du bien devant le Seigneur de tout faire remonter. Le Seigneur, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Mais mon Dieu, combien je me rends compte, combien en tant que chrétien, on a besoin de se mettre en main devant le Seigneur. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 7, 3. Vous comprendrez après pourquoi. Pourquoi vois-tu la paille, cette petite paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil? Vous remarquerez que Jésus ne va pas dire mort, il va répondre très sèchement, très directement, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Savoir reconnaître ce qu'il faut avant tout jugement. Oh mon Dieu, pardon, combien de fois est-ce que nous comme ça? On va facilement le dire. Je te fais une question de l'autre. Il ne faut pas très fort de pouvoir le défaut de l'autre. Mais il y en a qui sont certainement les mêmes souvent. Cela, on ne peut pas les voir. On est scrutin. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Romains 3, 10 nous dit, il n'y a point de juste. Pas un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il faut avoir beaucoup de qualité. À l'ombre de ce passage, on ne l'a plus. Tout en ballon. Tout en ballon. Pourtant, on a des qualités. Et le Seigneur, il doit le mettre quelque part en valeur, ses qualités. Mais il le fait ressortir de ses qualités les défauts qu'elle peut avoir. L'orgueil, la dépression, et j'en passe. Et c'est, je dirais quelque part, la poutre qu'on a dans l'œil. Parce que vous savez, à partir du moment où c'est qu'on réalise ce que l'on met en réalité, croyez-moi, on va prendre du temps avant d'aller enlever la paille de l'œil du frère et de la sœur. On va prendre du temps, on va pédaler, aller arracher le couteau. On va prendre du temps, on va faire attention. Est-ce que c'est vrai qu'on a ce défaut? Et tous on a ce défaut. Même celui qui dit qu'il s'appart, c'est un menteur, pardonnez-moi. Mais on voit facilement le défaut des autres. Ils apparaissent tellement facilement à nos yeux. Je voulais certainement raconter, c'est un drame souvent, quand quelque part on a l'impression que quelqu'un a un défaut et qu'on le porte. Bonjour, flap. Quelque chose se passe. Et toute cette beauté qu'on voyait, tout s'effondre. La personne est là, tout s'effondre. Tout s'effondre avec. En tant qu'enfant de Dieu, quand on a une vie de prière, on doit voir ces mots, Seigneur, tu me sauves, tu me connais. C'est un psaume merveilleux pour le psaume 139. Comme il est écrit, je te loue parce que je suis une créature aussi merveilleuse. Il faut le remettre aux yeux de Dieu. Dieu nous voit beau, il veut que nous restions beaux, il veut que nous soyons beaux. Mais je me disais que c'est bien, quelque part, au cœur de nos défauts, si nous voulons bien le reconnaître, que c'est la plus belle part. Notre humanité. Seigneur, tu sais ce que je suis, tu sais comment je suis. Seigneur, aide-moi à aider mon frère, ma soeur,
pas savoir lui parler avec amour. Non pas avec les mots, mais avec les cœurs. Seigneur, en sommes-nous capables? Sommes-nous capables de dire au Seigneur, c'est connu, c'est vrai, mais on a une paix qui nous plainte sur l'enfant du mal. Seigneur, montre-moi mes imperfections. Vous allez fermer les yeux et vous allez comptabiliser vos imperfections. Vous allez prendre un cahier, une feuille de papier et vous allez les noter. On risque de passer du temps sur les tomates. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur met cela à l'une devant nous, quand il nous montre en réalité ce que l'on est et ce que lui désire que l'on est, ça, il faut rentrer dans cette qualité merveilleuse, extraordinaire, que malheureusement, bien souvent, nous fait défaut. C'est l'humilité. Alors, nous, cette humilité, c'est de mettre en lui devant le Seigneur. Vous connaissez tous ces passages, et on les connaît, je les dis, c'est bien souvent même. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Vous savez où ça se trouve? Allez, dites-moi où ça se trouve. Merci. Matthieu 5. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits. Vous connaissez ça, hein? J'ai le droit. J'ai tous les droits. Mais non. Heureux ceux qui renoncent à leurs droits. Mais croyez-moi, je me l'applique. Je me l'applique à moi. Car Dieu leur donnera un terrain qui est en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, et ça c'est nécessaire, mon Dieu, c'est pas mon état. Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. Car le royaume des cieux leur est réservé. Quelqu'un qui ne veut pas connaître ses propres défauts est impropre au royaume des cieux. Quelqu'un qui veut à tout prix cacher ses défauts, quelqu'un qui veut absolument quelque part, je dirais, avoir raison toujours, en mettant de côté ce qu'il est réellement, il est impropre au royaume des cieux. Impropre au royaume des cieux. Proverbe 28:13 nous dit : celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je connais un homme, il y a un peu de temps de ça, s'est retrouvé dans une situation fortement pénible, périlleuse, morbide. Je ne vous citerai pas la situation concrète, mais tout d'un coup, c'est comme si toutes les forces du mal se déchaînaient autour de lui. Attaqué de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts, la suspicion, la colère, tout monter à lui. Mais ça arrivait par vagues successives, au point que quelque part on est là et on n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à prendre l'air, on n'arrive plus quelque part à se sortir de ce barrage. Et ça venait en flot successif, et cet homme était conscient de ce qui se passait. Il était conscient de ce qui de celui qui l'agressait. Et qu'il agressait constamment, et cet homme-là, à un moment donné, il a explosé, il est rentré dans une colère.
cet homme-là se réfugier au milieu de moi. Il s'est couché par terre. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. À l'instant même. Je dis bien à l'instant même. Tout a disparu. Mais quand je dis tout a disparu. Au point que cet homme-là ne pense plus à rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus suspicion, rien. Et quand je vous dis que c'était horrible, c'était terrible, parce que vous avez compris que c'est de moi-même que je parle, je crois que je n'avais jamais vécu une chose pareille. C'était morbide. Je me suis vu mourir, je me suis dit, ça ne peut pas aller, c'est pas possible. C'est fou, ça vous est arrivé quand vous nagez là et que vous n'arrivez pas à atteindre le bord, vous essayez de vous en sortir et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, vous criez au secours et personne ne vient, vous n'y arrivez pas. Mais là, j'ai crié de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur! Voilà, tout est parti. Tout a disparu. Et là, j'ai réalisé encore une fois très profondément combien on a besoin de corrompre de cette humilité. Peut-être ce matin, tu t'imagines que ça va beaucoup de choses pour moi de te dire que tu sais rien. Ou très peu de choses. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Car le royaume des cieux leur est réservé. Le royaume des cieux est à eux. Je vais vous poser une question qui se souvient de la prédication du dimanche. De la prédication de dimanche dernier. Marc 4, 8. Je ne vais pas rentrer dans la prédication quand même. Il est écrit, l'autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle remporta 30, 60 et 100 pour eux. Matthieu 13, 8 nous dit, l'autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre entende. La vie spirituelle est ainsi faite. On ne viendra jamais parfait, mais on marche en direction de la perfection. Jésus est parfait, Dieu est parfait. Notre Seigneur est extraordinaire. De bonté, de grâce, d'amour. Et ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse. Qu'on grandisse. Et parfois, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de l'avouer. Et c'est là que des fois, l'orgueil peut se cacher. Avec des années, je dirais, de conversion, on peut s'imaginer pas travailler. On ne peut pas arriver. On ne sera jamais arrivé. Jamais, on sera arrivé le jour où le Seigneur viendra nous prendre. Mais dans l'attente de ce jour, on a besoin chaque jour de se remettre en question. Vous savez, je ne veux pas tomber quelque part dans la culpabilité, surtout pas. Mon Seigneur est trop bon et trop merveilleux. Mais ce publicain, je vous parlais tout à l'heure, qui se frappait la poitrine en disant Seigneur, sois apaisé, moi qui suis un pécheur. Je l'ai dit, je ne pouvais pas. Il a ce courage. Ce courage, il dit Seigneur, tu vois comment je suis. Ça veut presque dire, Seigneur, change-moi. Je te dis, change-moi. Change-moi. Son cœur est vrai. Il a crié, Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Il n'a pas regardé les jugements des autres. Il a regardé les jugements des autres. Et le Seigneur ne peut pas changer. Non. Il est rentré chez lui. Complètement congelé, transformé. C'est ça la grâce merveilleuse de Dieu. Je suis venu des prédications qui sont passées sur cette plaine. Elle m'a conforté parce que déjà, j'étais en train de pécher. Et si je vous posais une autre question, est-ce que vous vous souvenez des prédications dues? Et il faut. Eh oui, j'en prendrai qu'une. Pour quelle?
Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Il y a des conditions. Ce ne sont pas des conditions humaines, ce sont des conditions célestes. Des conditions de notre Seigneur qui nous servent. Je crois, dimanche dernier, une voyage disait, est-ce qu'on comprend, je ne me rappelle plus exactement, l'amour de Dieu, est-ce qu'on peut rentrer dans cette dimension de Dieu? C'est sûr qu'on aime Dieu, mais je crois que chaque jour, on doit apprendre à l'aimer davantage. Et pour l'aimer davantage, il faut se mettre à nous devant lui. Un Jean nous dit, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Alors quand je dis, je m'arrête là deux secondes parce que, attention, je ne parle pas, comme ça souvent été dit, de péché grossier, mensonge, vol, etc. Non. Je parle du péché quelque part qui va se voir facilement à la taille d'appel de mon frère, le défaut de celui-là, le défaut de celui-là. Dis-moi les jours où en me regardant vraiment profondément, dis-moi que tu m'aimes. Et là, parfois, c'est beaucoup plus difficile quand on veut bien reconnaître ce que l'on est. Si nous prétendons être sans péché, nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion, mais la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avions nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qu'il juge. Il nous pardonnera nos péchés. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. J'ai crié, Seigneur, Seigneur, au secours. Plus on veut servir le Seigneur, plus on aime le Seigneur. Ne faites pas d'illusion. On ne passe pas nous. Il faut que ce soit pour nous. Et ça ne fait pas du bien. Mais mon Dieu, N'aie pas peur du passé. Oh, c'est dur des fois. On résiste. On voit que ça attaque de tous les côtés. On résiste, on essaie de se justifier. On essaie de se convaincre quand on fait tout. On a raison, ils ont tort. On résiste. Et le Seigneur, il va appuyer avec son pied. Il va appuyer. Moi, je le remercie d'avoir appuyé avec son pied. Ça a attaqué. Jusqu'au moment où je n'ai pas eu d'autres ressources. Je ne pouvais pas faire autrement, ce n'était pas possible quand on veut vivre et rester avec Jésus. On n'a pas d'autre choix, et c'est ton bon choix. Seigneur, au secours. Nous pouvons nous fier à Dieu. Ben oui. Si je fais au secours, c'est que je savais que je pouvais me fier à Dieu. Tu pardonnerais ma folie. Et tu me purifierais. Nous affirmons que nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole. C'est un parole tentée. Et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Il n'y a rien de plus terrible que le descendre sur le menteur. C'est terrible quand même. Je vais vous donner encore quelques passages, parce que c'est des passages que l'on connaît, partout. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, le Seigneur me dit, viens vers moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux. Et mon fardeau est léger.
Ésaïe 45, 22 nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et vous prudente. Jean 6, 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, tu peux venir à lui ce matin, en toute confiance. Et tout est ça, et la plus belle guérison, c'est la guérison de l'âme. C'est la guérison de l'âme. J'ai pris son joug et son fardeau, et je me suis tourné vers lui. J'ai bu de son eau, j'ai prêté l'oreille à sa parole, et mon âme est restée en vie. Nous dit, et l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Vous connaissez encore ce passage de Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande une pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, comme vous êtes, c'est drôle quand même, vous avez dit, si vous donnez comme vous êtes, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est vrai. Attendez qu'une forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ce qui est du droit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, écoutez bien quand même. Et je le dis pour moi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Entrez par la porte étroite. Car large la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup, beaucoup qui entrent par là. Mais étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent et le connaissent, ce passage. De même pour la majorité d'entre vous les connaissez. Je ne dirais pas que vous les connaissez par cœur, mais vous les connaissez, vous les connaissez, ce passage. Mais je me dis, Seigneur, pardon. Parce que ce passage, je le connais, moi, nous désirons le plus. Oui, c'est pas ça, c'est vrai, merci Seigneur, oui, merci. Non. Rentrez dans la profondeur de la parole de Dieu. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on rentre dans la profondeur de sa parole. Il faut. Vous avez le temps, vous les écoutez, ils sont sur le site. Il faut, il faut, il faut. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Je suis approché de lui, je savais qu'il n'y avait pas d'autre ressource. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'existe pas d'autre. Quel soulagement. Quelle bonté. Ésaïe 55, verset 1, nous dit, pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Spirituellement parlant, vivre. Le Seigneur délivre. C'est extraordinaire. Et c'est vrai quand même qu'il faut toujours veiller quand même, attention. Parce que des fois, on se dit, ça y est, c'est fait. Il n'y a rien à faire, on se comprend. Il faut veiller. Mais quand on est rentré dans cette profondeur, je dirais quelque part, la moindre crise qui arrive d'un côté ou de l'autre, on rejette. Et ça disparaît. Ça s'en va. Que si je n'ai pas les mêmes qualités, le Seigneur m'en a donné d'autres. Voir à l'autre, je dirais quelque part, c'est un jugement auquel, parce que le Seigneur nous tombe, nous allons percevoir que c'est vrai,
trouble qui peut exister dans sa vie, mais avoir cette capacité de voir nos propres défauts, nos propres défauts. C'est pas évident, ça. Réaliser nos propres défauts, c'est pas évident, je reviens là-dessus, c'est pas du tout, du tout évident. En disant, Seigneur, pardon, je ne suis pas meilleur que lui. J'ai les mêmes défauts que mon frère. Lui, je dis à ses disciples, un homme riche avait un gérant, et l'on vient lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi le compte de ta gestion, car tu pourras plus être mon gérant. Le gérant se dit à lui maître, en lui-même, mon maître va le retirer ma charge, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre. Et j'aurais honte de mentir. Ah, je sais ce que je vais faire. Ça tourne là. Quand j'aurai perdu ma place, les gens me recevront chez eux. Et quand j'aurai perdu ma place, les gens me recevront chez eux. Il fit venir alors un à un tous ceux qui lui donnaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, Romain, combien de Dieu tu es mon maître? Sans tourne plus le dos, lui répondit-il. Le général lui dit, voici ton compte, vite, assieds-toi, et écris 50. Avec le médecin. Puis il dit à l'autre, toi, combien dois-tu? 107 de blé, répondit le général. Le général répondit-il. Le général lui dit, voici ton compte, note 80. Il s'éloignait. Et bien le maître loua le général malhonnête. D'avoir agi si habilement. Les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Avant de continuer, je vous dis à quoi se poser des questions. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Moi, je l'ai vu, je l'ai soulevé, je l'ai disséqué. Sûrement, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire pour observer les folies et les folies? Mais comment on comprend? Peut-être que vous comprenez. Moi non, mais il me faut un certain temps. Hein? Est-ce que je pose une bonne question? Jésus ajouta, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. C'est un passage bizarre, ça, quand même. Hein? Je dis, Seigneur, quelqu'un a des richesses trompeuses. Vous vous rappelez, dimanche dernier, où investissons-nous? Où passons-nous notre argent? Je ne parle pas que des biens matériels, de notre vie spirituelle, notre temps. Où c'est qu'on investit? Où est-ce que j'investis? Est-ce que je me contente simplement de venir au culte le dimanche matin, d'avoir accompli, je dirais, un devoir entre Dieu et mes religieux? Ou est-ce que tout au long de la semaine, je m'investis? Où est-ce que je passe mon argent? Je parlerai même de notre argent physique. Le Seigneur ne demande pas de visiter nos proches, de créer de nouvelles questions, mais voilà, où est-ce que j'investis? Où sont mes priorités? Où sont mes priorités? Qu'en fichez-vous quand même? Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Je ne l'ai pas noté, mais juste dans mon cœur, j'ouvre une parenthèse. L'actualité nous montre combien de frères et de sœurs sont dans la désordre. Ils se plaignent les uns des autres. Et eux, ils n'ont rien. Ils sont privés de tout. Seigneur, pardon. Où investissent-ils?
Et une fois, vous m'avez donné à voir. Réfléchissons. Réfléchissons. Le Seigneur frappe la porte. Je crois que ce matin, il frappe la porte du Seigneur. Il frappe la porte. Où investissons-nous? Je vais terminer quand même. Je vais même le reprendre. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses qu'on peut recevoir. À cinq moments où on n'existera plus pour vous, on vous reçoit dans la demeure éternelle. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle que les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourra vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien que vous êtes destiné? Aucun serviteur. Vous connaissez ce passage. Vous le connaissez. Il se cite souvent. Mais il prend un encore grave. Aucun serviteur ne peut servir de maître. C'est pas possible. Il ne peut pas rentrer dans le monde un Dieu de possède. Et je vous dis encore pardon, Seigneur. Parce que souvent, moi le premier, on a quelques petits pieds dans le monde. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Aucun serviteur ne peut servir de maître. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Et si on pouvait rentrer encore dans les profondeurs de ce passage, qui sera pour une autre fois, qui serait moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ma question, qui sera ma conclusion, où avons-nous investi? Sommes-nous capables de nous mettre à nu devant le Seigneur? Je reviens là-dessus. Être capable de se mettre à nu, de se montrer tel qu'on est. Mais je ne suis pas parfait. Vous avez compris. Et vous n'êtes pas parfait. J'ai des qualités. Vous avez des qualités. J'ai des défauts. Vous avez des défauts. Et le Seigneur nous aime. Comme un fils, un frère en remporte 30, un autre 60, un autre 100. Parce qu'à l'essence, merci. On peut avoir beaucoup reçu au début, on peut avoir tout reçu au départ, et à l'arrivée, ben, tu viens à voir. Et tu viens à voir. Mon Dieu, le Seigneur, garde-nous-en, aide-nous à grandir. Où avons-nous investi? Où investissons-nous? Vous savez, il y avait un problème chez les disciples. Il n'y a pas ce problème. Ils se demandaient lequel d'entre eux était le plus beau et le plus grand. Jésus qui connaissait les pensées qui nourrissaient dans leur cœur, Jésus qui connaissait les pensées qui nourrissaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le passant à côté de lui, et leur dit, celui qui accueille à cause de moi cet enfant me reçoit moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus humble parmi vous sera réellement le plus grand. Alors, quand je dis ça, ne jouons pas les humbles. Parce que vous allez voir que ça va disparaître rapidement. Mais Seigneur, Seigneur mon Dieu, de prendre conscience de ma pauvreté spirituelle. Viens à notre secours, Seigneur, viens à notre secours. Vous savez, c'est beau d'être là ce matin ensemble. C'est vrai, on a une petite lueur à la bouche. Mais c'est quand même beau de pouvoir se réunir à nouveau, de pouvoir chanter, prier, louer, adorer, parler en langue, ensemble à nouveau. C'est beau, c'est quand même merveilleux, je ne sais pas vous, mais moi je suis content, je suis heureux. Ça change! Parce que c'est des, ça va un temps, l'église spirituelle, comment dit ça, dans tout le monde. Hein? Virtuel. Ça va un temps, ça va un temps. C'est pas facile. Vous savez qu'il y a des gens qui auraient aimé se rajouter et on ne peut pas les rajouter. Je me dis quand même, Seigneur, très bien. Parce que quand on est libre, quand on est parfaitement libre, quand on peut recevoir tout le monde, ben, les gens vont pas venir. Tous les jours, on ne peut plus les recevoir, ils vont vouloir venir. C'est dur quand même de ne pas savoir ce qu'on veut. C'est dur.
heureux ce matin. On est heureux, je suis heureux, comme vous. C'est pour vous, quand même. Où avons-nous investi? Où investissons-nous? Sommes-nous capables, vraiment, de rentrer dans ce passage que je vais vous relire, je vous l'ai lu au départ, dans Jacques 1. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu. Entre parenthèses, c'est la parole vivante, et qui devrait être mis à l'ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle, vivons-nous avec la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Ça a été dit. Dimanche dernier, dimanche avant, et dimanche encore avant, ça a été dit. Ça ne cesse de l'être dit. Seigneur, reconfie avec sa parole. Parce que si je vis avec sa parole, je vis avec lui. Je vis avec le Saint-Esprit, je vis avec Jésus-Christ, je marche avec le Seigneur. J'ai sa parole dans mon cœur. Et si peut-être mon pied. Et nos tendances peut-être à glisser sa parole. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètre loin de ma pensée. Le Seigneur, il est là. Il nous observe, il nous regarde. Il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous secourir. Mais c'est Seigneur que le foi nous secoue sans qu'on crie le secours. Il n'y a que forte raison quand on crie le secours. Il nous secoue. S'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à l'écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme, femme, enfant, vieillard, pourra le bonheur en obéissant à la parole, c'est-à-dire en obéissant à Jésus. C'est par la parole, le livre simplement pour un livre, non, mais c'est la parole, c'est les mots qui sortent de la bouche de Dieu. C'est la personnalité de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Voyez un petit peu, ça va loin, ça va loin. Qui ira ce matin au secours? Oh, je ne vous demande pas de crier au secours, mais dans son cœur, qui ira au secours? Il a tellement besoin. Je lui dis, mon Dieu, Seigneur, c'est quand même triste. C'est triste parce que des fois, on invitera un frère, une soeur, un ami, un enfant ou autre à crier au secours. Et je me rends compte que des fois, la personne, elle n'arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle ne peut pas. Elle n'a pas conscience que c'est un fait. Le Seigneur, il intervient. J'ai vu ça, il n'y a pas eu peur. De la bouche de l'enfant, elle n'arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Il fallait l'aider. Non, mais après ça, pour accompagner comme nous, parfois, on est accompagné. D'ailleurs, je voulais que Jésus nous accompagne tous les jours. Il agira ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Mais si quelqu'un croit être pieux, comme le pharisien, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, mais le drame, c'est que souvent, le pharisien, il coupe. C'est terrible, hein? J'ai fait une expérience, mon Dieu, je dis ce nom, se mettre à nous devant le Seigneur, investir tout nos biens dans le royaume des cieux. Investir tous ces biens dans le royaume des cieux. Seigneur, ouvre nos cœurs, afin que nous comprenions ce que tu fais. Ouvre nos cœurs. Je ne dis pas de vous dévêtir de vos biens terrestres, mais où est-ce que j'investis? Où est-ce que j'investis? Où c'est que je passe mes biens? Est-ce que
lisez là aussi ce passage, il est complètement au-dessus. Psaume 1, qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas le psaume 1? Ah, c'est possible, hein? Quelqu'un de Chambrin, c'est possible. Voici l'homme heureux. La femme heureuse, c'est moi qui fais l'invité. L'enfant heureux. Oui, parce que c'est vrai. Je dis ça parce que des fois, on peut dire, oui, le Seigneur, il parle que des hommes. Mais non, il parle de hommes et tout. Hommes, femmes. Bon, on est dans un rôle de monde. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Il ne s'assoit pas avec les gens qui comportent de mauvais bruit. Il ne les fréquente pas. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Il le redit jour et nuit dans son cœur. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits, 30, 60, 100, 120, 130, 140, etc. 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 C'est extraordinaire. C'est trop beau. C'est trop merveilleux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il donne ses fruits au bon moment. Et c'est ça, il reste toujours vert. Même quand c'est la sécheresse, ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Il lui prête une attention particulière et lui obéit. Celui-là sera heureux, non seulement dans cette vie, mais également dans la vie à venir. Et la vie à venir, c'est le royaume des cieux. Avoir le courage ce matin de dire Seigneur, change-moi, change-moi. Qui ce matin peut-être aura ce courage de le faire? Ou préférons-nous rester dans notre orgueil, dans notre fausse humilité? Je crois que ce matin le Seigneur nous lance un défi, et ça fait plus de dimanche que le Seigneur nous lance un défi. Où veux-tu investir? Es-tu prêt à investir dans le royaume des cieux? Es-tu prêt à te mettre à nu devant moi? Le Seigneur me connaît, il me connaît parfaitement. Mais il attend une chose. Si de quelque part on vient à lui, le Seigneur, regarde-moi des fois. Regarde-moi, mais regarde comment je suis. Rappelez-vous ce week-end, il se frappait la poitrine. Mais il est reparti heureux. Veux-tu repartir heureux, heureuse ce matin, en chantant vers ta maison? Qui le veut? Qui le désire? Personne. Mais je ne sais pas, il ne veut pas de bruit qui se lève, rien. Alors que tous ceux qui le veulent se lèvent, n'est-ce pas? Faites-le de tout votre cœur. Vous avez vraiment ce désir d'investir dans le royaume des cieux. Vraiment de vous mettre en nous devant le Seigneur. De dire, Seigneur, tu vois mes défauts. Je te prie, Seigneur, change-moi. Se lève. Qui est prêt à se lever? On va prier ensemble. Qui est prêt à se lever? Moi, je suis déjà debout, je me lève avec vous. Qui est prêt à le faire, à se lever? À se lever en toute humilité. Le Seigneur ne juge pas, il ne nous condamne pas. Bien au contraire, il nous aime. Seigneur, tu vois que c'est quelque chose, Seigneur. Tu nous vois, Seigneur, avec mes frères et mes soeurs, en ce matin, Seigneur, nous sommes ensemble, Seigneur. Nous sommes ensemble devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes ensemble devant toi, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, Père Bénéfice, Seigneur, nous prions au secours, Seigneur. Et au secours de notre incrédulité, et au secours, mon Dieu, Père bien-aimé, de nos défauts, Seigneur, mon Dieu, de nos fausses humilités, Seigneur, viens au secours, mon Dieu, car nous avons tellement besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as mon frère, ma soeur, tu connais toutes les situations, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, toi qui sais quand on s'assied, quand on se lève, Seigneur. Toi qui pénètre de loin, Seigneur, mon Dieu, toutes nos pensées, Seigneur. Et ton parole ce matin, mon Dieu, Seigneur Jésus, Père bien-aimé, et qu'un vent de guérison, Seigneur, un vent de guérison descende, Seigneur mon Dieu, et embrasse chacun, chacune, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu, afin que d'une seule voix, d'une seule âme, Seigneur mon Dieu, chacun te chante, te loue, t'adore, ton nom, Seigneur, c'est toi qui les promets, Seigneur. Oh, bénis-toi, mon Seigneur, bénis-toi, mon Sauveur, qui vient au secours de ses enfants, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, Seigneur, Alléluia, Amen. Si quelqu'un veut faire remonter une prière vers le Seigneur, qu'il le fasse librement.